Je me suis mis en noir aujourd'hui, je pense que je vais regretter avec la chaleur. Allez, coupé, c'est parti. Salut tout le monde, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais enfin ouvrir la nouvelle Polybox. Et alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous ai dit que celle-ci était un petit peu plus particulière parce que, en effet, ce n'est pas seulement une Polybox comme vous devez très certainement connaître. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous abonner ou en commander une pour tester. Vous avez deux codes promo qui se trouvent en bas de cette vidéo dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à en profiter. Hein, Marion? Oui, oui. On a une acheteuse ma Polybox qui oublie toujours d'utiliser mes codes promo à côté là. Bref, pour revenir à cette fameuse box, en fait il s'agit d'un tout nouveau concept que ma Polybox a créé. Il s'agit de ma Love Polybox. Bonjour Mademoiselle Firelight. Ouais, on est pas seul aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ce concept? Eh bien c'est tout simplement que vous allez pouvoir sélectionner une petite wishlist de vos rêves, mais également des produits qui vous seront utiles. Tu veux présenter avec moi? Mais également des produits qui vous seront utiles, parce qu'effectivement lorsque vous commandez sur ma Polybox, en principe vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Et là vous allez pouvoir sélectionner, et plus vous sélectionnez d'articles, plus vous avez de chances d'être surpris, bien évidemment. Et moins vous en sélectionnez, bah, plus vous aurez de chances d'avoir les articles qui vous intéressent le plus. J'ai tellement peur qu'elle m'écrase la pointe des pieds qui se trouve. Alors bien entendu, comme les Poney Box classiques, vous avez la possibilité de sélectionner une box, une formule du moins que vous préférez. Je vous mets le petit tableau qui est juste ici. Mais bien entendu, la valeur de ce que vous allez recevoir sera bien plus élevée que la valeur que ce que vous allez payer en réalité. En tout cas, j'espère que j'ai été assez claire avec vous, et si jamais c'est un petit peu cafouillis, je vous mets également en barre d'informations tout le détail de cette fameuse Ma Love Poney Box. Quant à moi, je vais l'ouvrir parce que ça fait une semaine que je l'ai reçue et... je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai patienté pour pouvoir l'ouvrir en même temps que je filmais cette vidéo, donc c'est parti. Ah pétard, j'ai hâte. Donc, quand on l'ouvre, bon déjà la box en elle-même, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours le même petit emballage, comme on apprécie, comme on aime. Alors, comme habituellement, j'ai un petit mot personnalisé, donc coucou Cassandre, j'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta grande famille. Voici ta box tant attendue, ma Poney Box sur mesure. Et oui, elle arrive sur notre site et nous sommes fiers et heureux que tu sois la première à la tester en exclusivité. Bisous à la belle Lana et plein de caresses à Haribo, Nomad et Vaille. À bientôt. Déjà, je vois quelque chose que je connais. Et j'ai un autre petit mot là, qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau en plus pour fêter l'arrivée de notre nouvelle marque Jump Your Egg qui fait son arrivée dans nos box et nos boutiques. Donc effectivement, ça je connaissais déjà, je vous en avais parlé il y a 2 ans il me semble, non il y a 1 an, c'était à l'occasion de la mode de l'année dernière. Rip la mode cette année. Et donc effectivement ils m'ont glissé un shampoing ou après shampoing, non, shampoing réparateur à la kératine et biotine pour cheveux et crinière, parce que oui, je sais pas si vous connaissez, mais en fait il s'agit d'une conception de shampoing, d'huile également et autres produits que vous pouvez utiliser vous-même ou utiliser sur vos chevaux. Et moi j'ai été très surprise parce que j'en ai trouvé également en vente dans le grossiste qui me sert à acheter ma cire pour m'épiler. Voilà, on est content de le savoir. Ensuite, oh là là, ça c'est pour Vai Vai. Une petite paire de protection. Regarde, Firelight, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Yes! C'est pour sauter. Même si pour l'instant on saute pas beaucoup. Voilà, une petite paire de guêtres avec du mouton ici. Voilà, de la marque T2T. Elles sont noires. Carbone, je crois que c'est ça. Hein. Plastique ou carbone, je sais pas. Bref. Tu veux les essayer, Vai Vai? On va lui essayer à Vai Vai. Alors ensuite j'avais vu sur leur site, pardon, sur leur Instagram, qu'ils avaient entré une nouvelle marque de produits de soins pour chevaux. C'est la marque Rapide, je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc dans ma box, eh bien j'ai un shampoing également spécial pour chevaux blancs. Donc moi j'ai pas de chevaux blancs, mais on va dire que Nomad a une robe claire, donc à la limite je pense que ça pourra passer.
Et on testera également voir si ça fait ressortir les belles balzanes de mes chevaux, parce qu'ils en ont tous, même si Haribo il n'a qu'une petite trace de balzane, il en a une quand même. Je chope quoi d'autre? Oh, alors ça c'est pailleté ça. Ça c'est bien joli joli également. Donc qu'est-ce que c'est? Glitter spray, je pense que c'est un spray lustrant, voire peut-être démêlant. Est-ce que c'est écrit en français quelque part? Je sais pas. En tout cas ça vient de la marque Lucky Horse, comme vous le voyez. C'est rose avec une petite licorne, c'est tout girly, c'est tout mignon, c'est tout joli. Peut-être que je le donnerai à Lana, on verra. Unicorn's Glitter Spray gives a fairy-like gloss and lets your favorite horse or pony shine. Donc je pense que ouais, effectivement, c'est un lustrant, mais qui vient déposer des paillettes en fait sur la robe de votre cheval. Donc effectivement, ça, je le donnerai à Lana. Je pense que c'est Haribo qui va tester ça. Ensuite, qu'est-ce que je chope? C'est une paire de bandes de polo rouge parce que je n'en avais pas et parce que j'ai acheté dernièrement un tapis de selle RG rouge et que bah, avec mes bandes bordeaux, j'aimais pas trop, j'ai pas de protection coquée ni de dressage rouge non plus. Donc j'avais sélectionné des bandes rouges et les voici, les voilà. Donc je suis très contente. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous les sortir, hein. On est sur des bandes, je pense que vous savez ce que c'est, hein. Elles n'ont pas de détails particuliers celles-ci. Et le dernier article que je chope, il est magnifique, j'adore, c'est un polo bordeaux de la marque Equitem avec le col blanc. Donc à mettre soit en compétition, soit pour monter à cheval dans la vie de tous les jours, hein. Why not, c'est vous qui décidez. Et le voici, le voilà. Oh, il est magnifique, mon Dieu. Ah, j'avais oublié, oui, parce que ça fait un moment que j'ai commandé. J'avais oublié ce petit détail que c'est un polo manche longue. Et que là, aujourd'hui, c'est pas la bonne idée pour le porter parce qu'il fait trop chaud. Mais pourquoi pas, partant un petit peu plus... frais. Je cherchais le mot. Voilà, donc on est sur un polo bordeaux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le porter comme ça, je vais vous faire un close-up et vous allez le voir directement. Il est trop 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 beau. On a des petits détails également au niveau des avant-bras à ce niveau-là, au niveau du dos également. Et à l'avant, sous le col pour eh bien, laisser passer l'air tout simplement, mais également pour un petit côté esthétique. Je le trouve très très joli avec le petit écusson doré sur l'avant. J'espère que c'est du flocage, que ce n'est pas juste un petit sticker, ce qui risque de s'en aller au lavage. Je croise les doigts. Et voilà, tout le monde, c'en est tout pour cette My Love Pony Box. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. En tout cas, Axel et Noémie, qui sont les fondateurs de Ma Pony Box, sont ravis de pouvoir vous le proposer, puisqu'effectivement, ils sont soucieux de pouvoir répondre toujours à vos attentes dans de meilleures conditions, encore plus que ce que vous étiez ravis déjà, parce que je sais de sources sûres que vous êtes très nombreux à vous abonner à ce concept et à recevoir vos box chez vous tous les mois. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, bah, ça va vous permettre de sélectionner un petit peu plus vos articles, même s'il faut toujours garder l'effet de surprise, mais du coup vous êtes plus ou moins sûr de pouvoir recevoir des articles qui vous seront utiles, pas de gaspillage, et ça c'est super bien, notamment pour le respect de l'environnement, de la planète et l'écologie. Et comme chez Ma Pony Box c'est un petit peu Noël tous les jours, et bah tout le monde est content. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire si ce nouveau concept vous plaît, si vous aussi vous êtes des adeptes de Ma Pony Box, si vous en avez déjà reçu, s'il y a des choses que vous aimez, d'autres un petit peu moins, n'hésitez pas parce que je pense que les fondateurs iront également checker les commentaires et c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Quand on est créateur d'entreprise comme ça, je sais de quoi je parle, je me fais attaquer par les bestioles, il est temps de rentrer pour moi. En tout cas, sachez une chose, je vous le souhaite pas, mais avec Ma Pony Box, on vous réserve également une petite surprise qui arrivera très prochainement. Je vous dis toujours pas ce que c'est, désolé, mais beaucoup ont déjà un petit peu compris ou du moins se rapprochent du fameux projet secret. Et comme habituellement, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos chevaux, de vos poneys, de respecter les gestes barrières et de vous mettre en sécurité ainsi que votre entourage. Je vous fais à tous de très gros bisous et puis bah à la prochaine. Salut !